Bonjour! Putain, t'es vraiment un connard. Franchement, tu... T'en as pas marre de gâcher toutes mes intros? Non, ça me fait plaisir, c'est un gros passe-temps, je t'avouerais, ça m'amuse beaucoup. Elle était tellement motivée pour son intro. Mais ouais! Ça me désole. Mais pour vous, vous avez tout niqué là, je me sens blasé genre en ouais, mais pas du tout, mais moi mais je non, mais elle est là, mais non! Je disais donc, aujourd'hui les amis, je vous ai réunis car nous allons. Non, on n'est pas réunis, hein, on est en confinement, donc voilà. Moi, je me casse. Ok, pas de problème. Okay. Du coup, je propose qu'on parle pendant 10 minutes comme ça à la double monétisation quand même. Enfin, elle peut rajouter des pubs, on connaît les bails. Ah bah oui, quand même, bien sûr, on connaît bien les bails. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on annule son concept de vidéo. Alors, le pangolin. 20 minutes later. Je disais donc, on se retrouve pour la deuxième édition de On dessine vos idées, les amis, sur Twitter. Wow. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de sortir toutes les idées farfelues que vous aviez dans votre petit cerveau. Alors, petit cerveau, c'est pas très sympa pour eux. J'avoue que c'est pas trop sympa. Hein. C'est alors, pas très quand sympa, je dis petit, c'est pas très extrêmement intelligent. Putain, mais tuer, pourquoi t'insultes tes abonnés? Généralement, ils sont en confinement, ils sont pas forcément archi bien, et puis les insultes, tu es très d'inférieur. Quand je dis alors petit n'est pas péjoratif pour moi, je m'attendais à ce que ça explose, mais dans l'air parti direct. Petit n'est pas péjoratif pour moi, c'est petit, c'est tout mignon, vos petits cerveaux. Ouais, on a vu chez toi un petit, c'est. Pardon. Toi, mec, je vais te faire manger, mais manger tes morts, mais genre tes ancêtres, mais qui datent, mec, de la préhistoire. Hein, bien sûr, on s'affronte. Mais je connais pas les règles du jeu, expliquez-moi les règles du jeu, moi. Bah, tu dessines, frère, c'est tout. Mais punaise, j'ai pas eu le temps de vous dire là, vous arrêtez pas de parler. Nous allons avoir donc 3 minutes pour dessiner vos idées. Oui, c'est de l'express. T'as un problème, Marie, avec l'express? Non, j'aime bien, j'adore le Poudlard Express. On dessine le Poudlard Express, ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, du coup, 3 minutes pour dessiner vos idées. C'est parti. Oui, mais c'est quoi les idées? Mais putain, mais je vais le dire, Marie, mais laisse-moi le temps. D'accord. Première idée, une bouteille de vin qui boit un verre de vin, ok? Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Oh putain, je sais plus me servir de paint. Comment ça marche, paint? Ah, attends, c'est ça. Demi-tour, on sait que tes miniatures, tu les fais avec paint. Arrête. Quoi? Oh putain, le bâtard. C'est là. Qui fait ses miniatures avec Paint, mon dieu. Je suis désolée si vous faites vos miniatures avec Paint. Mais vraiment, les gars, s'il vous plaît. Hop, regardez-moi cette bouteille. Là, on va réduire un petit peu le trait. Il reste combien de temps? 1 minute, c'est déjà écoulé. Attends, mais comment est-ce qu'on fait? Mais je... J'ai du mal à comprendre le principe, en fait. Mais ça n'a aucun sens. Mais justement, c'est des idées farfelues qu'on doit faire. C'est ça qui est rigolo. Marie, elle découvre le concept, frère. Mais je connaissais pas le concept, moi. Moi, on m'a jamais invité pour ce genre de vidéo avant. Mais c'est simple, tu dessines des idées farfelues. Hop. Putain, je suis en train de vous faire un truc là, vous êtes pas prêts. Moi aussi, no time. Hein. On part sur du vin rouge là, on est d'accord. Tu peux faire un vin blanc. Hein. Bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà, vous faites le vin le plus simple pour vous quand même. Il reste combien de temps? 2 minutes 20 se sont déjà écoulées. Il reste 2 minutes 20, bah ça va. Mais non, 2 minutes 20, donc il reste moins. Mais je sais pas faire les calculs là, t'as cru quoi? Plus tu me fais perdre du temps. Je sais pas comment on revient. Comment on... Y a pas CTRL Z sur Face? Il y a un précédent en haut à gauche, y a une flèche bleue, frère. Je donne toute ma vie, mais je sais même pas pourquoi je donne toute ma vie parce que ça n'a aucun sens. Mais parce que c'est un challenge et dès qu'on a des challenges, on donne sa vie, ok? Tu veux gagner, Marie? Bah non, tu vas pas gagner parce que c'est moi qui va gagner, c'est toujours moi qui gagne, ok? Alors ça, par contre, je suis pas forcément d'accord parce qu'au final, tu te fais éclater au sol et à chaque fois, tu râles parce que t'es naze, t'es éclaté, t'es claqué au sol, frère, t'es éclaté. Alors toi, déjà, tu vas fermer ta petite bouche là. J'ai une question, qui sont les juges? Nous-mêmes, frère. On va être objectif, en vrai, on va être objectif. Hein. 3 minutes 14, putain les amis. Bon, j'en ai un petit peu merdé. Ah mais il faut que tu mettes un timer, qu'est-ce que tu fais? Faut que ça fasse bip à la fin. Faut que ça fasse bip bip bip, là oui. C'est pas grave, on a dépassé de 15 secondes. Pour le prochain, je le mettrai, ok. Et du coup, comment est-ce qu'on s'envoie les dessins? Mais Marie, tu viens de découvrir un ordinateur ou quoi? Vous êtes prêts? Oui. Ouais. 3, 2, 1... Montrez vos œuvres. What the fuck? Oh wow. Bah, deuxièmement, on a plus ou moins la même idée, hein. Mais il y avait marqué boire le verre. Oui, bah il le boit, quoi. Il le boit et alors il mais peut il très le boit pas, boire, il a dans la main. Bah il déguste, c'est... il déguste, allez tranquillement. Et attends, de l'alcool, ça se déguste avec modération. Il est pas obligé de tout gober, hein. Ah bah là, il déguste pas. Vu sa gueule, il est pas du tout en train de déguster. Hein. Parce qu'il a dégusté un mauvais vin. Il est pas content du vin. Il veut changer. Sora, tu peux m'expliquer pourquoi il est vénère en fait ton bonhomme? Parce que il mange un mauvais vin. Là, il mange carrément. Oui, okay, il le mange. Il mange le verre en même temps avec. Là, il est pas d'accord. Il trouve que c'est très 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 mauvais, il préfère quelque chose. Mais on t'a de pas demandé de contextualiser en fait. Ma frère, ferme ta bouche, je suis en train de défendre mon dessin. Mais le mien, il est heureux, tu vois. Il est tellement heureux de vivre. Et par contre, Marie a des yeux qui flottent, tu vois. Moi, je suis allée dans la logique. La bouteille, elle boirait le vin normalement par le goulot pour que ça remplisse la bouteille, tu vois. On a humanisé nos personnages, mais en soi, c'est Marie qui gagne le point parce que il y a vraiment l'acte de boire, tu vois. Vous êtes d'accord pour me donner un point, mais moi? Du coup, Marie, tu remportes le point. Si on doit faire un classement, je pense que je suis deuxième et Sora dernier. Je suis d'accord. Oh, je trouve que vous êtes vachement mauvaise joueuse, mais c'est pas grave. Deuxième dessin, préparé.
préparez-vous pour un moustique à la plage. C'est parti. D'accord, très bien. Ouais, te vénère, frère, ça. Un moustique à la plage. Putain, c'est pas du sable, ça. Personnellement, je vais partir sur un point de vue du ciel, tu vois. Genre un moustique qui va être un peu écrasé, mais ça va ressembler à un moustique. Ça a combien de pattes et combien d'ailes, un moustique? Oh là, frère, tu me parles de trop. Le mec, il est au bout de sa vie. Oh, j'avoue que je sais même plus à quoi ça ressemble, un moustique, vu que je les écrase souvent, je prends pas la peine de bien les regarder. Oh là, je suis partie là. Ça va pas du tout, là. Mais je donne tellement toute ma vie, c'est absolument ridicule. Oh là là, putain, je suis de la merde. Moi, c'est éclaté, frère, mais c'est pas grave. Non, mais ça sera jamais plus éclaté. Là, j'ai perdu, hein, là, clairement, là. Non, je t'assure que je suis pas certain. Ça ressemble, je sais pas. Ok, ensuite. Oh, c'est tendu, j'aurais jamais le temps, frère. Ouais, c'est pas assez de temps, hein, franchement. Il reste 53 secondes, hein. Oh, c'est chaud. Oh putain, c'est pas un moustique. Qu'est-ce que je viens de faire, là? En plus, ça ressemble pas du tout à un moustique, frère. En même temps, je sais pas quoi ça ressemble à un moustique, mais ça en dirait papillon, frère. Putain, je suis dépité, j'ai fait de la merde, là. Je suis désemparé, en fait. Je suis désemparé. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un moustique. Vous voyez cette couleur que je prends? C'est pourquoi? Bah, pour faire que le moustique a été voir quelqu'un. Tac, 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 tac. Il reste 17 secondes, j'ai fait de la merde, je sais pas quoi faire d'autre. Je suis très sceptique. Ça partait bien, mais. Moi, ça partait mal, frère. Vous entendez ça? Non, j'entends pas. C'est quoi? Allô, Dooms, allô? Put your mouth in the table. Put your mouth in the table. Put your mouth in the table. C'est bon, frère. Ouais, les gars, franchement, j'essaie de faire au mieux, hein, mais c'était pas facile, vraiment. Vous êtes prêts à montrer votre œuvre d'art? Vas-y, tu nous dis. Oui. 3, 2, 1, c'est parti, montrez-moi. Mais what? Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Lourd. Ah, c'est une vue du dessus, Dooms. Ah, c'est une vue du dessus. C'était une vue du dessus. Genre, en mode, il est vraiment en mode, ah, je bronze et tout, tu vois, il est bikini, quoi. Mais il est éclaté. On a vraiment l'impression que t'as une tatane qui l'a éclaté. De ouf, quoi. On dirait que limite, c'est un pied. C'est une vue d'en dessous. Et c'est un pied qui est en train de l'écraser. Alors, par contre, Sora. Bah, frère, je sais pas ce que c'est. Non, ça, explique-moi cette merde. Il y a un océan, il y a une plage, il y a un bonhomme, il s'est fait sucer le sang. Ce dessin est répréhensible par la loi. Bah, tu t'es vraiment pas fait chier. Mais tu rigoles ou quoi? Non, mais le pire, c'est que je suis sûre qu'il s'est fait chier. Bien, je suis sûre qu'il a pris toute son âme. Mais où est le bikini? Enfin, le moustique à la plage et tout, quoi. Et frère, tu vois pas une plage là? Il y a un océan, il y a du sable et il y a un moustique. Ça se voit, non? Alors, ouais, non, mais déjà, même ton perso, ça va pas. La tête, il est décapité, non, ton mais perso. Le perso, là, ça, on s'en fiche, ça, le perso. Non, ça... non, mais même au niveau des proportions, ça ne va pas. Le moustique, il fait la taille. C'est un moustique géant, frère. Oh putain, c'est pas possible. Bah écoute, bon, okay. Je vous trouve vraiment pas très indulgente. Moi, je fais ce que je peux, les gars. Je suis pas très doué. Marie, j'apprécie énormément, en fait. C'est trop stylé. Et t'es vraiment une sub-boule, toi, quand même, hein. On va pas se mytho, hein. Non, mais attends, mais d'un côté, est-ce que tu penses vraiment que ton dessin est meilleur que le mien? Mon océan est meilleur, frère. Tu sais pourquoi t'as fait un sombrero, frère? Bah, je sais pas, il est à la plage, frère, il est au Mexique, bon, il y a un sombrero. Bah, Marie gagne encore, mais Marie, elle va tout gagner, en fait. Attends, tu savais très bien que Marie gagnerait tout en l'invitant ici, frère. Putain, merde, je pensais pas, je me suis dit, ça va, on est sur peine, ça devrait le faire, quoi, merde. Fuck. Bon, allez, dessin suivant. Nous allons avoir 3 minutes pour dessiner une fleur qui twerk. Twerk, 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 twerk. C'est parti. Let's go. Aïe, 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 aïe. Attends, une fleur qui twerk. C'est chaud, hein. Mais non, c'est facile. Hop. C'est facile, frère, j'ai hâte de voir ça. Tu veux une fleur avec un boulot, tu veux m'en dire des nouvelles. Aïe, 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 aïe. Ok. On commence déjà par le sol. Putain, mais mec, arrête de t'occuper du décor. J'aime les détails, frère. J'aime les détails. Le mec, il s'occupe de tout sauf de ce qu'il faut, putain. Et après, le petit ciel. Hop là, un petit ciel sympa, un petit ciel tout bleu parce qu'on est en confinement et qu'on aime bien avoir le ciel bleu quand même au final. Hein. Hop, un petit soleil parce qu'on aime bien le soleil. Putain, mais tu me saoules, mec. Elle pose ses mains sur son boule. Elle pose ses mains sur son boule. Après, on fait l'herbe parce que bon, une fleur sans herbe, y a pas de fleur, hein, concrètement. Voilà. Et là, attends, la fleur. Et pour voir que ma fleur est en train de twerk, forcément, on va faire ceci. Regardez. Hop, hop. T'as ma fleur, elle vit sa meilleure vie là. Il me reste 30 secondes et regardez ma fleur. T'as là, je suis trop fière de moi. Elle a vraiment le cul de la vieille de 70 ans, mais c'est pas grave, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous trouvez ce petit défi dur ou pas? Oui. D'accord. Bon, bah, je vous attends. Franchement, je suis surpassé, les gars. Vous pouvez pas me dire que ce dessin, il est horrible. Ok, les autres étaient éclatés, mais celui-là, frère, soyez au moins indulgents. Moi, je veux un minimum de compliments, là. Putain, j'ai fait toute ma vie, là. Terminé. Oh, mon Dieu. 3, 2, 1. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, vous pouvez pas dire qu'elle est pas cool, la mienne, sans déconner. Mais mes frères, même à 5 ans, les enfants font mieux. Tu t'étais surpassé avec la plage. Là, la terre, c'est même plus. Frère, regarde la tête de celle de Dooms, là. Moi, j'ai fait un décor, frère. Quoi, elle est mignonne? En vrai, la tienne, par contre, elle a un booty. Dad booty. J'ai fait dad booty.
Le boule qui chamboule, j'ai envie de vous dire. Ma petite pâquerette, là, elle est refaite, tu vois. Du coup, Sora, oui, il y a du twerk en soi. Moi, je suis désolé, mais je remplis les critères et je trouve que c'est mieux que les autres et j'ai pas de compliments et moi, ça me fait très mal au cœur, frère. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal, ça me blesse, ça me blesse. Par contre, Marie, moi, c'est trop réaliste. Oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une fleur normale, j'ai fait des bras et puis ensuite, je l'ai les bras sur le bully, mais du coup, le bully, j'ai fait un bully de type en mode comme si c'était encore une rose et tout parce que je... Ouais non, je me suis égarée. Là, tu peux pas me dire que Zuri est incroyable, frère, s'il te plaît. Marie, c'est toi qui vas décider entre moi et Sora. Pour toi, lequel mérite le point? Bah en fait, en sachant que le thème c'était une fleur qui twerk. T'es une sœur. Je suis désolée, mais Doobs, du coup, elle a fait mieux la fleur qui twerk. Le décor est beau, mais le décor on s'en tape. Mais tu fais chier. Moi, j'aime contextualiser, c'est pas grave. Moi, j'aime contextualiser. Je pensais qu'on était amis, frère. C'est pas grave. Arrête avec ce putain de décor qu'on s'entre toi. Non, moi, je veux contextualiser le truc. Moi, je veux pas un truc tout fade, je veux quelque chose de contextualisé, putain. T'es relou. Ok, bon, bah j'ai le point, merci beaucoup. Dessin suivant. Sora, c'est pour toi. Celui-là, tu vas adorer. Une bébé tarentule buvant un biberon. Oh, mais frère, comment ça me dégoûte? Déjà, ça me dégoûte, comment je fais ça? Une bébé tarentule buvant... Alors, attends, elle boit comment, la tarentule? Oh, mon Dieu. Bah, elle boit, tu fais... Bah, ses petites mandibules, je pense, voilà, tu vois, elle a toutes ses pattes qui en... Bon, je vais pas vous donner des inspirations. C'est parti, go! 3 minutes. Oh, mais c'est compliqué, frère. Mais non. Oh, y a, attends, une bébé tarentule, ça me dégoûte. Franchement, j'ai pas de mieux, ça me dégoûte, frère. Ça va être un bébé bien dodu, hein, pour ma part. Ouais, moi aussi, il a bu beaucoup de lait. Ça va être une bonne grosse bouteille de lait. Et je vais l'appeler Jessica. Si tu veux, écoute, libre à toi d'appeler tes trucs, là. Ça a combien de pattes, une putain de... Hein. C'est 6 pattes, hein. 6 pattes. 6 ou 8, je suis pas sûre. On est tous concentrés, là, ou comment ça se passe? De ouf, mais je donne toute ma vie, hein. Je ne parle plus. Il reste combien de temps? Une minute. Sérieux, c'est tout? Mais non, mais... Bah ouais, je vous jure. C'est chaud. Je sais plus comment c'est une tête d'araignée, putain. Comment c'est une tête d'araignée? Combien ça deuille une tarentule, là, ou je sais pas quoi, là? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop, d'ailleurs. Si je vous ai fait un truc à la... de merde, je décline toute responsabilité sur ce dessin. Reste combien de temps? 18 secondes. 18? Non, mais c'est pas possible, je peux pas. Là, je peux pas. C'est... Ok, on se rajoute une minute. Quoi? Mais c'est quoi? Alors que moi, j'allais finir? Mais non, mais. Oh là là. T'as fini? Bon, bah ok, on va finir quand ça sonne. Non, 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 j'aimais bien, mais on se rajoute une minute. Ah oui, donc là, on change les règles, là. Bon, bah stop. Bon, là 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 là. Écoutez, les gars, j'ai fait toute ma vie. Celui-là, c'est mon œuvre ultime. Je vais t'envoyer ce dessin, tu vas mettre à la place de la Joconde, et tout le monde ira applaudir et photographier ce putain de dessin, d'accord? Merci. T'as fini? Ok, on peut s'envoyer des cintres. S'il vous plaît, Ré, j'attends beaucoup de toi, Ré. Si on est amis, c'est maintenant. Ok, j'ai peur. Bon, bah, j'ai fait de la merde. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, bah, go, hein. Quoi? Et c'est une araignée qui est venue de dessus? Elle est sur le dos? Mais frère, mais c'est une araignée de Minecraft, c'est pas une tarentule, c'est une tarentule, c'est marron! Mais oui, une tarentule, c'est marron, mec. Ouais, il y a plusieurs types de tarentules. Et comment elles sont les tarentules sur Animal Crossing? Elles sont noires, d'accord? Elles sont marron en plus, hein. Elles sont marron. Avec des petits. Bah oui. Hein. Ah, ça me dégoûte! Non, mais mec, je sais, je t'adore, mais il y a un moment donné, on peut plus rien faire, quoi. En fait, le truc, c'est que déjà, c'était un bébé tarentule, tu vois. Bah, c'est une bébé et tarentule, Doobs, elle a fait une couche sur bah sa tarentule ouais, qui prouve que c'est un bébé. La mienne est mignonne, du coup, c'est un bébé. Ouais. Mais toi, frère, c'est juste une horrible araignée. Les araignées sont pas mignons, même un bébé, c'est affreux, frère, c'est autre chose. Mais putain, mais attends, mais mec, je comprends pas ta logique. Depuis le début, tu humanises, tu personnalises tout, et là, on te non, demande. Pas une araignée, frère, c'est trop pour moi. Une araignée, c'est trop pour moi. Je peux pas humaniser cet enfer, cette horreur. Je peux pas. Putain, c'est pas possible. Moi, je trouve qu'on comprend totalement. Personnellement, je donne à quelqu'un ça. Il me dit directement une araignée qui boit du lait. Je voilà. Oui, mais c'est pas une bébé tarentule. Mais qui boit du lait? Les bébés? Non. Il y a un biberon, donc c'est un bébé. Ok, du coup, bah Sora, désolé, mais c'est next. Thank you, mais next. Du coup, bah alors moi, on dirait vraiment une crotte quand même. Hein. On dirait, tu sais, les petites poupées russes que tu emboîtes là. Bah pour le coup, j'irais Marie parce que tu vois les mandibules avec sa petite tête et. Genre, tu vois qu'elle est en train de téter le petit biberon à la rigueur. J'avoue que moi, entre Sora et Dooms, je choisis Dooms. Mais Sora, et tu juges qui entre moi et Marie? Non, mais c'est pas. Je juge personne, frère, je vous déteste. Ah putain. Bon, bah Marie, je te donne le point. C'est un challenge en plus, donc on va dire 4 minutes 30. Waouh, c'est précis. Vous êtes prêts? Oui. Sora, arrête de faire la tête. Je fais pas la tête, frère, je suis grave motivé. Wouh. Un robinet mangeant un couscous. Chiche. Chiche? Quoi?
couscous chiche. Je sais pas, elle a dit chiche. Ah mais oui, mais chiche en mode chiche de faire ça. Mais ça me fait rire parce que c'est le couscous, il y a des pois chiches dedans. Bref, bon, du coup, vous êtes prêts? C'est un robinet mangeant un couscous. Et là, je vais être gentil, je vais vous donner 4 minutes 30. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Trop de méchanceté avec vous, avec moi, je suis très très mais triste. Quoi? Très triste. Putain. Aucune pitié, très triste. Alors que je donne tout pour ta vidéo, je donne tout et j'ai aucune reconnaissance. Ça me fait mal au cœur. Non mais mec, je t'adore, mais quand faut être réaliste, tu vois. Moi je suis voilà, une vraie, voilà, je suis réaliste. Encore, regarde, encore. Très triste, très triste. Ce qui est en train de se passer. C'est incroyable à quel point on donne toute notre vie et qu'on parle plus, c'est juste trop drôle. J'ai fait un robinet. Le couscous tagine. Pardon. Excuse-moi, tu viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Les gars, franchement. Là, t'es fier de toi? Je donne tout, t'inquiète là. Là, ok. Franchement, je donne tout, je crois. Seigneur. Putain, mais je suis de la merde en fait, c'est n'importe quoi. Attends. Franchement, je vois pas ce qui pourrait être. Qu'est-ce qu'on rajoute dans les couscous? La merguez! C'est important la merguez! Ouais, c'est. Moi, je suis toute seule, mais c'est pas grave. J'étais très fier de moi. Ok. Voilà. On est bien, non? On va se poudrer de ça, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de couscous. Voilà, écoutez, ça c'est mon couscous. Maintenant, faut faire le lien entre le couscous et le robinet. Hop, alors ensuite, on fait ça. Franchement, je sais pas ce que je pourrais faire de plus. Mec, me dis pas que je t'ai laissé plus de temps et tu es au final sur le cucu. Non, t'inquiète. Tu gères. J'ai confiance en toi, mec. Je veux t'attribuer ce point quand même. Je gère de ouf, frère. Franchement, je te jure, c'est incroyable. Franchement, je vois pas comment quelqu'un pourrait faire mieux que moi là. Je comprends pas. Il reste 33 secondes. Ça y est, je panique parce que je suis parti trop loin. Ça, c'est... Simple. Franchement, simple. J'arrive pas à croire que je suis en train de tryhard sur un putain de robinet qui bouffe du couscous. Ça me bute. Écoutez, 10 secondes et moi je suis partie sur ça. Vous en pensez quoi? C'est bon! Les gars, on ressent l'école d'art dans mon dessin. Là, j'ai tout des... Ah ouais? J'ai fait des ombres et tout sur le couscous, attention! Vous êtes prêts pour le résultat de ce dernier dessin pour cette édition numéro 2 de On dessine vos idées? On est prêts! Oui! 3, 2, 1, go! Ouais! Alors Sora. Quoi? Sora. Frère, t'as aucune preuve, c'est un dessin fait de toutes pièces par moi. Je me suis chier 4 minutes 30 pour faire les ombres, chaque grain de couscous, les Sora. Merguez, tous les légumes. Ça a été compliqué, gars. Sora, est-ce que tu te fous pas un peu de notre gueule? Mais pas du tout. C'était un dessin, t'as aucune preuve. Bon, alors Sora est carrément éliminée de la compétition parce que c'est vraiment très dur. Jusqu'à la fin, il y aura eu aucune indulgence. C'est inadmissible. Le mec, il a triché. Non, là, frère, je te connais même plus là. Là, pour le coup, mec, personne peut te défendre. Y a que le diable. Ah mais c'est pas grave, attendez, je... Bon, par contre, Doobs, là, c'est de la purée avec des haricots verts et des carottes, là. Ah, c'est ouais, vrai je que dans ce sens... d'accord, personnellement, je donnerai rien. Ah non, mais toi, t'es disqualifié, toi, t'es loin, t'es moi, parti. Moi, je donnerai rien le tu point. Tu parles plus, mec, tu parles plus. Toi, on dirait purée carottes. Mais Doobs, le merguez. La contenance de mon assiette est assez douteuse. Mais regardez, il est mignon, mon robinet. Il est mignon. Moi, j'ai une question. Pourquoi ton robinet, il a un truc bleu et un truc blanc? C'est rouge, normalement. C'est froid et très froid. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait eu un souci, tu vois. Mais il aspire là ton truc, il est en train de l'aspirer le couscous. Par contre le bol est très bien fait si on veut les petits détails et tout. Ah moi j'aime bien les détails de robinet, j'aime bien. Ça me fait plaisir les gars. Ouais, ça me fait plaisir pour une fois qu'on me complimente pendant une vidéo. Bah je pense que là t'as tout déchiré, je pense que même ce point encore on va te l'accorder en fait. Bah ça m'embête parce que moi j'étais quand même vachement bien. Hein. Alors toi t'es très loin dans le classement, t'es dans le classement de la triche. Mais regardez la bouche, les couverts, il y a tout, c'est incroyable. Ah mais je me suis donné frère, là tu crois moi que là le couscous c'est chaque grain de raisin, j'allais dire, chaque grain de couscous c'est là. Non, ouais, là par contre j'apprécie même si c'était un gros tricheur. Ah, bon, c'est la fin. Bon bah Marie a gagné clairement. Marie nous a surpassé, nous a terrassé, nous a évincé mais d'une manière qu'abuse pas trop quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura sûrement une édition numéro 3 mais alors absolument pas non, avec vous. Moi ça j'espère, j'ai plus jamais. C'était terminé. Moi j'aimais bien. On refait ça quand vous voulez. Hein. Ouais, bah facile là quand on a des années de dessin derrière nous hein. Nous on a bac plus CP là. OK, en dessin, il saura c'est bac plus fœtus. Lui, alors, il est plus dans le game. Alors ça, c'est pas très jusqu'au bout, ça n'aura pas été très gentil. Moi, je serais très triste personnellement. Bon allez, salut tout le monde.